Salut tout le monde, c'est MLBro, on se retrouve aujourd'hui sur Smite en mode Jute. Donc je vais utiliser le dieu Thor. Alors Thor qui est un dieu du tonnerre, qui utilise un marteau, vous le connaissez sûrement. Je suis accompagné de Scylla, Aoguyang, et je suis contre un Ymir, Aoguyang et un rat. Donc pour l'instant il n'y a que des classes classiques, peut-être Scylla qui n'est pas trop joué encore. J'espère vous proposer un bon gameplay avec ce personnage Thor qui joue bien sûr au corps à corps, plus particulièrement, mais est très fort, très très fort. Vous voyez déjà au niveau 1, au niveau 3 pardon, déjà fait mal à Ra qui a envie de me caler un truc, si vous voyez trop, et alors, je crois que j'allais finir. J'essaie de pas trop parler pendant le gameplay, parce que ça me déconcentre pas mal, ce que j'ai pu remarquer. Bon, les sbires ont apparu, donc là c'est bon. Raté. Faire reculer un petit peu. Putain, il se donne à chaque fois que je fais ça. Pour l'instant, c'est pas super. Plus de manœuvre, d'accord. Et merde. Voilà. Vous avez bien vu que j'ai voulu tuer Ra, mais je suis à voir à cause de la tour. On va dire pardon à mon équipe. Voilà. Du console qui. J'aime pas trop le début parce que c'est pas tellement intéressant de pas pouvoir taper fort. Alors Ymir il m'intéresse beaucoup, il a généralement les Ymir ont des trans physiques. Piqueuse de kill quoi. Bon bah c'est un truc qui sont morts. Là, il vaudrait mieux dégager. Bon alors je comprends pas trop pour les vidéos. Alors il y a des jours où j'ai vraiment des bugs énormes. Alors que même sans faire de vidéo, je bug pas. Dès que je fais une vidéo, c'est fini. Donc là pour l'instant ça a l'air d'aller, mais ça change vraiment tout le temps quoi. Bon, j'hésite à aller attaquer, allez c'est parti. Sans trop vouloir. Voilà, c'est parfait ça, tranquille. Okay. Ouais, on va se casser, on va se casser, on va se casser. On va prendre ça. C'est bon. Ah dommage, il aurait pas mis ça. Inutile. Je suis mort. Alors. Donc, il va vouloir m'attaquer lui. Alors si là est assez forte. Du 7-1. Donc en fait c'est avantageux. Bon moi je m'en sens pas trop mal, enfin un kill un mort c'est normal quoi, basique.
des jours où je fais des bons kills. Par exemple, la dernière partie, j'ai fait 8 kills, quoi, ou 7. Fais mal, rat. Dehors, vas-y, rapproche-toi. C'est parti! Je vais mourir, mais. Voilà. C'est tout ce que je voulais faire. Ah, dommage! Bon, bah, du coup, on retourne à 2 kills de mort. Ça revient exactement au même ratio. Mais bon, c'est toujours sympa d'arriver bourriné comme un fort. Mais bon, grâce à ça, bah, j'ai débloqué une arrivée que ça a fait qu'ils ont tué quasiment tout le monde. Voilà, bah, c'est super. Donc, on est en train de tuer la tour. Bon, j'ai été un peu le sacrifice là de ce moment-là. Mais bon, ça a pas servi à... ça a servi alors à pas mal de choses. Enfin, ça a servi quoi, tout simplement. Donc, c'est quand même utile. Ah, Ouguyang, je crois qu'il fait rien du tout. Ouais. Pas de mort, pas d'assistance. Il a rien dit, il vient de crever. Bon. Un truc qui est bleu là. Hop là. Viens. On se casse. Bon, pas kill de mort. J'espère ne pas mourir cette fois-ci. J'ai bientôt mon saut. Bah, parfait, vas-y. Hop, moi je claque mon truc. Et dès qu'on est bon. Bon, on va taper un peu les sbires. Et là, on s'envole pour défoncer. Et non, merde. C'est le connard. C'est une merde quand ils font ça. Ah, bah alors quand ça marche le saut là, c'est magnifique. Et là comme un gros loupé, j'aurais pu l'avoir. Trop déçu. Bon, je pense que tout le monde Thor n'est pas trop compliqué à comprendre. Il est à moi qui me l'a. Non, il est à moi. Putain. Oh, pourquoi la tour en tape? Là, il y a un kill donné là. Ils l'ont pas tué. Comment Ra a pu survivre? Bon, on va finir cette tour. Je vais y aller. Non, c'est bon, il y a été. Argent. G. Allez, c'est parti, les amis. Ouh, ils sont deux. Et nous aussi. Nous allons vous péter la gueule. Parce que vous êtes nul. Allez, c'est parti, on va tuer un rat. Oh mon gars, tu fais quoi? Oh, mais c'est one shot. Oh, GG. J'hésite à aller courir là-bas. Mais... il est déjà soigné. Là, là. Ouais, il revient full live. Il est niveau 8, moi 10. Problème là-dessus. On va attaquer. Encore raté, non, c'est pas possible. Ok, bon, là, on va prendre chercher. Hop, un finish it. Moi, je vous prends tous les trois, les gars. Mais vous. J'ai crevé à cause de... Voilà, c'était beau là. Bon, enfin, le kill de mort. Dommage, j'ai pas tué Ymir parce qu'il y avait les Zirs qui ont failli me tuer. Il aurait pu me tuer lui aussi, hein, mais bon, je pense que j'avais mon attaque déjà préparée.
Il a un peu flippé. Mais bon, voilà, c'est compréhensible. Ah mince! Un ennemi a quitté la partie. Bon, il va peut-être revenir. Non, je pense qu'il reste quitte. Bon, c'est pas trop mauvais, 5 kills de mort. Allez, on continue. Bon. Je vais avoir mon saut. Bon, on attend là. Avec les directs en mort de moi. Et moi, je vais le finir, les gens. Non! Non! Vite, quelqu'un vient! Voilà, je vais mourir. Vite, 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 vite. Je me serais pris son truc, mais j'étais déjà. Non, non. Ah, voilà, une capitulation. Mais je sais pas ce qu'il y a en ce moment pour mes vidéos. Je vais quand même vous la mettre celle-ci parce que je vous présente un peu Thor. Le gameplay est bien, 5 kills de mort. Et 12 assistances, parce que c'est important, les 12 assistances. Bon, voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Et j'espère enfin qu'il n'y aura pas de rage quit. Bon, bah là, c'est encore une victoire. Donc. Bon, bah, Thor est à moitié en disciple. Je suis niveau 15. J'ai 3 maîtrises. Donc, bah, tiens, je vais vous montrer les maîtrises. On va aller dans le lobby. Vous allez ici, je sais pas comment ça s'appelle, profil. Donc, niveau victoire-défaite, bon, bah, je suis à moitié 50. 47 victoires, 51 défaites, on ajoute. Le reste, j'ai pas trop joué, et puis ça m'a saoulé. Bon, disciple, vous voyez Ness, Aoguyen, Thor, Guan Yu et Hades. Les trois premiers, je les ai faits. Vous voyez des victoires, bah, il y a des défaites des fois, mais vous voyez, c'est vraiment. Sur Smite, c'est soit. C'est vraiment selon l'équipe, on peut pas. C'est rare qu'on carry la game. Mon maximum de kills, c'est 21. C'était énorme. Voilà. Enfin, là, c'est une partie où j'étais niveau 20. C'était super bien, et quand on arrive vraiment bien à jouer, le jeu il est super sympa. Par contre, des fois on tombe sur deux mecs qui sont forts, sur les trois, voire les trois qui sont forts, c'est horrible. Donc c'est quasiment impossible de jouer. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Smite ou sur d'autres vidéos. Salut, n'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne, de mettre un j'aime, et de commenter, de partager, de faire tout ce que tu veux sur ma chaîne, tant que c'est pour me faire plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de vous partager les vidéos. Allez, salut!